Main dans la main, ils se retrouvent pour un grand repas. Mais où vont-ils ? À la fête de Noël. Pour les années de Souffelweyersheim. Oui, monsieur. Bonjour. 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 Un bonjour à plus de 300 convives de plus de 71 ans, invités par la commune de Souffelweyersheim. Comme chaque année, cette dame rejoint la même place. Ah bah je vois mes amis qui sont là. Alors on va ensemble, hein, toujours. Eh oui, c'est si. Ah bonjour. Si, hein. Puisque c'est un repas de famille avec vous. Dans la salle, les grandes tablées se remplissent peu à peu. Et au menu, il y a... Que de bonnes choses. Du foie gras, du chevreuil, du dessert avec des très bons vins. Ben, je crois qu'il y a de quoi satisfaire toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Sur scène, le chœur des hommes, pluricanto, berce la rencontre conviviale. Et les nouveaux découvrent l'ambiance. Bienvenue au club. Au club de quoi ? Des vieux ? Ben, je fais partie des vieux cons maintenant, hein, voilà. Mais bon, on fera avec. C'est sympathique. L'accueil est très chaleureux. On rencontre des anciens fouteux. C'est très convivial, bien organisé. Et on n'est pas placé, donc on a cherché qui c'est qu'on connaîtrait. Parmi la foule, les anciens aussi. Ceux qui viennent depuis plus de 20 ans, comme le doyen. Et c'est quelque chose, une rencontre de tout le monde, quoi. Du village. Bon, je ne suis pas natif de Souffelweyersheim, mais ça fait quand même 50 ans que j'habite. Je vis la vie normale, comme tous les jours. Et pour l'instant, le seul handicap que j'ai, c'est les yeux, quoi. J'ai un TLMA. Mais pour le reste, je me sens assez bien encore à mon âge. À une autre table, la doyenne de l'après-midi, Thérèse Vix, 93 ans. C'est ce que monsieur le maire vient de me dire, oui. C'est comme ça. En cuisine, le conseil municipal ne prend aucun risque. Aucun. On vit dans le risque total. On fait tout, le conseil municipal. Tout dans la bonne humeur, avec les conjointes et conjoints, pour sortir des plats à un rythme soutenu. Les gens sont sympas, c'est génial. On adore cette relation et vraiment c'est que du plaisir. C'est toujours une journée qu'on apprécie et on aime partager, apporter du bonheur à tous. Partager, apporter du bonheur à tous. Joyeux Noël à tous les aînés de Souffelweyersheim.